petite voiture citadine 100% électrique, eh bien non, ce n'est pas une Smart, c'est une Citroën. Son nom, c'est Ami. Alors cette petite voiture, elle avait été présentée juste avant le confinement par le constructeur et là, elle entre en phase commerciale. Cette voiture, elle fait à peine 2,41 m de long, 470 kg, c'est 3 fois moins qu'une Zoé. Mais surtout, cette voiture, c'est un quadricycle à moteur, c'est-à-dire que les jeunes peuvent la conduire à partir de 14 ans. L'élément central du cahier des charges sur cette toute petite voiture, c'est de contraindre les coûts. Du coup, cette voiture, elle a une carrosserie en polypropylène. Il y a une seule couleur, c'est ce bleu Ami. Et puis surtout, à l'intérieur, c'est vraiment une voiture ultra minimaliste. On a en effet uniquement 2 places, un volant, un petit peu d'espace pour des rangements. Et surtout, on a très peu de fonctionnalités. C'est finalement le smartphone sur la planche de bord qui va tout faire. Alors il y a quand même quelques options de personnalisation sur cet Ami, notamment les éléments de couleur orange qu'on retrouve sur la voiture, mais il faut les installer soi-même, on les récupère dans ce carton qu'on achète en option et puis après on les monte à la maison un petit peu à la mode d'une armoire IKEA. Bon alors côté sensation de conduite, je suis à la fois dans une électrique, c'est très silencieux, ça accélère plutôt rapidement jusqu'à 45 km/h, mais il n'y a aucune aide à la conduite, il n'y a pas d'ABS, pas d'ESP, pas de direction assistée, donc j'ai un peu l'impression finalement de conduire une ancienne, c'est une sensation assez rigolote. Alors elle est assez ferme, mais comme elle a le train avant de la 208, elle est quand même précise en termes de châssis, finalement c'est plutôt un compromis assez satisfaisant pour la ville. Alors comme cette voiture, elle a été aussi conçue pour des gens qui n'ont pas forcément le permis de conduire, on a demandé à notre collègue Elsa Trujillo de BFM Tech, qui n'a pas encore son permis, eh bien, d'essayer la voiture et nous donner ses impressions. Donc globalement, c'est assez maniable, j'ai l'impression. Bah là, on va prendre à gauche, il n'y a personne, donc aucun problème. On est à 18 km/h, donc vitesse totalement gérable. Donc les commandes sont vraiment très simples, hein. C'est limité au minimum, il n'y a pas de vitesse. Un peu de mal à démarrer, mais pas trop de mal après à être sur la route. Citroën commercialise l'Ami à partir de 6 900 €. Il y a un bonus écologique de 900 € qui peut être déduit. Alors certes, en termes de vélocité, en ville, elle suffit largement. Après, on se dit que sans rétroviseur intérieur, sans direction assistée, c'est des fois un petit peu compliqué en ville, même si son gabarit est ultra adapté. Solution, on peut la louer dans le réseau d'autopartage de PSA, Free to Move, en région parisienne.